Mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une fois, surtout bienvenue ou sur TV La Caille. Si c'est pour la première fois, vous connectez sur le canal ça. Et pour moun qui déjà et fait partie de famille, on a dit merci parce que ou pas jamais lagué nous ou toujours été connecté sur TVA ou toujours attendre information et nous même nous là n'a bousqué n'a cherché pour nous porter qui choy pour vous parce que nous connaissons, nous gagnons devoir yon mission nous bay tête nous c'est informer peuple haïtien. J'en toujours faire comme d'habitude chaque jour bon Dieu mettez nous pas jamais fini vidéo sans que nous pas remercier tout le monde qui yon même est abonné avec nous tout si là qui pas jamais lagué nous toujours commenter vidéo nous toujours partager. Et surtout des gens qui, eh ben, depuis la vidéo à la guerre, qui ont répondu présent, nous avons dit merci pour confiance à la fidélité. Merci parce que vous faites une confiance pour informer. Je dis à la mesdames et messieurs, bagaille vous vraiment prend un autre niveau. Nous connaissons depuis après l'arrestation Abelson Gonèg, qui est un membre SPNH 17 là, et Fantôme 609 tout, d'après ça, et donc information au bail. Eh ben, je dis à la M. Petit Garçon, qui c'est Abel, eh ben, qui monsieur lui-même prend la rue là, monsieur est seulement 13 ans. Et monsieur parle d'école, d'après ça, le dit. Donc, il oblige à prendre la rue pour demander à Léon Charles libérer papa le plus vite que possible parce que il a supposé l'école, mais à cause de l'arrestation arbitraire, ça, et bien, ça cause pitié à obliger dans la rue pour demander libération papa qui c'est Abelson Gonèg. Et puis, il y a Jean-Hilder lundi tout, qui lui-même fait une grosse déclaration tout dans le même dossier arrestation ça. Et tout le monde, c'est des gens qui ont avis de recherche derrière pour la police, fouquer ou quel que soit, et bien, côté, il y a des gens qui ont. Et bien, je dis à la, il y a une conférence de presse, et en pile parole, parler de grosse déclaration faite, nous allons vite suivre, nous allons parler trop. Restez connectés sur la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater un mot dans ce qui va dire. Enjoy, nous allons croiser la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je suis évoqué par la habituellement et puis au grand jeu les pénitenciers. Comment ils sont sans juger? Comment ils sont si je ne vais pas aller pas sur bonne école? La suite de l'école, ma propre note. Comment ils sont donc, vous même sortez de là? Moi, je m'en de libération là-bas. Parce que par exemple, nous avons des gens qui nous ont fait des gens qui nous ont fait. Donc, vous même, vous êtes pour les petites personnes? Oui, pour les petites. Moi, je suis le bon égard, je suis 13 ans. Qui t'a soit fait? Ma fait 8e. Mais ok, merci beaucoup. Bonne égard, bonne égard, bonne égard. Nous demandons, nous demandons. 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 Nous demandons, nous Abelson c'est pas femme. Parce que maman mourir mon dernier petit Abelson qui grand passé. Abelson c'est pas femme. Abelson c'est amim. Abelson après mon Dieu c'est protecteur, qui c'est défenseur parce que elle est là pour défendre moi parce qu'elle est plus grand parce que tout dans mon tacopé en face moi c'est là pour défendre moi, c'est là pour protéger moi parce que maman mourir dit qu'il t'aime dans même. Pour imaginer jodi a Jovenel, Léon Charles, premier ministre, je mettre sans défenseur, sans protecteur. Je l'ai dit dans la rue pour ça. Je demande libération frère, libération papa, libération protecteur, sans mime, libération des forces, sans condition. Comment traitement y est pour qu'on est là dans la prison, nous connaissons Abelson, nous transférons pénitentiaire. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas confier traitement y est parce que nous ne pouvons pas voir Abelson. Nous ne pouvons pas voir avec Abelson. Jusqu'à présent, je dis pénitentiaire. Moi-même, je ne peux pas dire pénitentiaire parce que tout le temps, je ne peux pas dire pénitentiaire. Mais nous ne pouvons pas te manger, pour te bagarrer les besoins. Non, non, non. Je ne peux pas te manger. Je ne peux pas te manger, je ne peux pas te rien. Donc, quand nous sortir nous-mêmes, quand nous sortir qui va nous aller là. Nous sortir quand vous faites. Nous sortir quand vous faites. Nous prenons les places constitution. Les nouvelles places constitution. Nous appliquons la lutte. Les nouvelles la lutte pour nous faire un OPC. Les nouvelles OPC pour nous faire un RNDDH. Et puis vous allez devant le ministère de la justice, et puis vous nous campez là. Libération pour Gonèg Abelson. Libération pour Gonèg Abelson. Il y a 8 petits pour l'occuper, pour l'élever. Parce que ça, Abelson Gonèg, il n'est pas capable de faire 8 petits. Il y a une libération pour Gonèg. Mais c'est un petit mais pour mes petits garçons. Nous demandons
kidnapping même directement, parce que c'est dans la caille, on vient faire journal, on vient faire interview avec, c'était pour nous, c'était mon caillon, nous avons été arrêtés, monsieur a vu nous arrêter, monsieur a. Nous m'a dit. Parce que Abelson Gonek, pas un zombie, ça veut dire qu'il n'est pas photo. Tout le monde dit qu'on a Abelson Gonek, spécialement mon gars pour feuille. On a Abelson Gonek, c'est un monde honnête, intègre. Et s'il va être honnête, je dis à Albatak, notre communauté pénitentiaire nationale là. Il n'est pas un zombie, on a profité de caméra ou de micro nous pour nous dire Léon Charles, libérez Abelson Gonek, parce que Abelson Gonek, pas un photo. Ça, c'est seulement ça nous a dit. Et nous souviendrons tout autour, on va libérer avec son collègue. Bon, nous devons passer au PC et puis nous priver devant la justice pour nous libérer les dernières paroles, nous, pour nous montrer la faille, pour nous tendre Léon Charles avec le gouvernement de facto Jovenel Moïse. Vous-même, qui sont sous nous, je pense que vous avez deux mots pour vous dire par rapport avec ça, SPNH 17 là, a subi. Bon, si vous avez un mot pour vous dire ça, David. Bon, moi-même, je trouve que c'est inacceptable. Parce que ce sont des policiers qui mettaient en association et qui reconnus par l'État. Ils ont doté d'une autorisation de fonctionnement. Mais moi-même, je trouve que l'État est rentré politique dans toute bagaille. Il est rentré politique dans la justice, il est rentré politique en danger et dans la police. Comment on peut imaginer que Oudi et la majorité des membres SPNHO, c'est des agents qui font partie du groupe Fantôme 609. Donc, moi, je connais que le droit pénal est d'interprétation stricte. Le droit pénal ne s'applique pas par analogie. C'est la, le fait que on fait analyse. Non, le droit pénal est direct. Soit mon coupable ou bien innocent. Le droit pénal, ça va fonctionner à demi. Par exemple, on porte qui ouvre à demi. Non. Donc, moi-même, je trouve que c'est inacceptable. Comme nous avons un système judiciaire qui est faible, donc, les gens qui sont dans la police, ils ne peuvent pas jouer un traitement qui opère dans les juges qui respectent les têtes. Mais si nous n'avons pas un système judiciaire qui est faible maintenant, je trouve que les traitements que nous avons subi ça là. Je ne suis pas sûr que nous avons un traitement ça. Comment vous êtes capable de comprendre Gonek Abelson? Yon jeune garçon qui voulait desservir une société ou prendre ou humilier comme ça. Donc, je dis que ce n'est pas façon ça pour traiter yon monde qui voulait bailler tout lui-même pour sécurité pays. Donc, je trouve que les gens voulaient déstabiliser la police, mais ce n'est pas comme ça pour faire. Ce n'est pas comme ça pour faire. Avec un pile respect, d'accord que yon est comme commandant Edler. Il t'a supposé qu'il y ait 26 ans, qui va gagner 26 ans dans la police, non? Il t'a supposé gagner une manière pour traiter lui, parce que c'est un homme qui gagne contre la police, non? Bien. Bon, moi je trouve que en dans la police, non, gagne opposition dans la police, non? Policier qui contre policier, donc je trouve que c'est inacceptable. Je souhaite que monsieur réfléchisse pour voir que nous sommes le seul pays, nous sommes haïtiens. Travail SPNH a fait la fête pour tout policier sans distinction. Pas aucun policier qui exclut en de travail. Là. Travail SPNH, là, c'est souhaiter que bon bien d'être pour tout policier. Pour d'autres trois policiers, ce n'est pas comme quoi son pas et trois policiers sont son que bien. Pour policiers, ils sont capables de mieux être. Un policier pour petit cap. Que vous gagnez, vous avez au moins 25 000 gouttes sous lui, et puis pendant un mois, vous avez 40-45 000 gouttes sous chèque. Donc, pour nous, c'est un travail qui est noble, qui est louable. Tout le monde a supposé porter support à travers ça, mais malheureusement, il y a des déviants qui érigent un obstacle et pour empêcher à ce que SPNH aboutisse à ça. Et m'a dit, monsieur, vous êtes supposé comporter comme des héros pour ne pas jamais reculer face aux obstacles que vous rencontrez sur ce chemin, parce que c'est un chemin du devoir. Un chemin qui a gagné une finalité qui est glorieuse. Donc, vous n'êtes pas supposé baisser les bras. Quoi qu'intimidation, vous êtes supposé comporter comme des hommes forts face à toute intimidation. Ça, parce que pas jamais gagné une gloire ou bénéficier sans qu'on ne passe par intimidation.
pour arriver dans salon de délivrance là, faut-il bien que vous passez et au couloir de la pénitence. Donc Negyo, monsieur courage, Gonne Gabelson courage, tout le monde courage et Yannick courage, nous pas besoin peur, yon jou la jou. Merci beaucoup. Et inspecteur, sous mon dernier message, c'est ça d'ami. Bon, dernier message là, c'est m'a lancé une invitation formelle par tout secteur dans la vie nationale là, lundi 12 avril là, devant le bureau SPNH là. N'a pas une grosse conférence de presse côté que n'a invité tout pasteur, pasteur Forge, pasteur Gérald Bataille, et tout pasteur qui fait partie de secteur protestant, vienne courir ça n'a fait. N'a demandé pour tout avocat qui vient accompagner nous dans nos maîtres Montfleury d'Orval. M'a demandé pour tout docteur qui vient accompagner nous dans nos docteur Pardi. N'a demandé pour tout étudiant vient accompagner nous dans nos Grégory Saint-Hilaire. N'a demandé pour tout élève l'école, lycée, collège vient accompagner nous dans nos Evelyne Sincère. N'a demandé tout chauffeur moto, tout syndicaliste net dans le pays. Et m'a parlé de Josué Mérilien et Maître Fatal et monsieur CTSPO McDoville, m'a demandé nous accompagner nous dans journée ça pour nous capable faire une autre bagaille parce que nous senti que nous obligé qu'embé actualité hein, parce que si nous pas faire mais yo comprendre que yo courir de nous non SPNH pap maon moi même pap maon lundi bonnet m'a premier parler dans conférence de presse de manière pour nous capable fixer position nous pour nous dire mais combien policiers mourir pendant mois sorti pour 12 mars pour 12 avril là pour nous faire des points de droit sur ça te carré arrestation nous arrestation pour les Gabelson et mandat yo mettez derrière nous interdiction de départ yo mettez derrière nous avis de recherche yo mettez derrière nous on a fait des points de droit sur yo pour nous montrer illégalité yo que yo pas cadré avec la loi pour nous dire que nous pas kidnappeurs nous pas terroristes nous c'est des syndicalistes qui travaillent pour l'avenir. Merci beaucoup. Inspecteur lundi et nous connaissons comme coordonnateur général SPNH et nous connaissons toutes les difficultés de traverser SPNH 17 dans le moment. Est-ce que vous expliquez comment vivre le moment ça? Bon, je salue tous les amis qui sont avec nous, tous les amis qui suivent là et ça là. Et que c'est un moment difficile. C'est un moment difficile et que moi j'étais attendu dans le mouvement SPNH avec des difficultés. Mais là où l'État instrumentalisé pour lui attaquer des policiers dans les gens qui ont fait l'alarme, quoi que ça, nous pas de prévoir du tout. Côté qui ont mis tout le système en place pour traquer des policiers, des honnêtes policiers, ça nous dit que ça c'est bagabondage gouvernemental. Pendant que nous avons rappelé pour nous, tout bandit est pour nous côté. Bandit est pour nous côté, après ça, yo dit que vous pas faire un débat, il contravention. Est-ce qu'elle peut comprendre qu'on y a la qui a fait SPNH, c'est même SPNH que vous mettez, vous mettez à vidéo derrière nous, il a traqué nous, il a la caïman, il a crasé par la caïman, il a rentré, il a pris machine SPNH dans la cour la caïman. N'a fait conférence de presse, yo débarqué en chambre, yo mettez en blindé derrière porte barrière d'entrée la cour bureau SPNH. Je me demande dans quel pays nous vivons là. Est-ce que jour et jour, nous ne pas comparer ce qui est là sur l'époque du Duvalier, côté que Tonton Makout a traqué les gens, Tonton Makout a arrêté les gens sans mandat, sans raison. Regardez qu'on y a là, pour qu'on ait la personne trouvée derrière quatre murailles en pays national.
ça yo on pas joué une façon pour me décrire ça qui passé là du tout. On pas gagner pas à décrire et c'est avec un peu l'amertume qui m'a regardé nous même moi-même avec plusieurs mon expérience qui est obligé je dis à la pour nous mettre nous à couvert mais femme dit nous pas dans marron non pas dans marron nous là et avant hier nous dans conférence de presse là me dit là de monter là il va nous bail conférence de presse là et lundi matin là nous dans la conférence de presse encore nous disait 12 avril jour pour jour date pour date côté que ça fait un mois ou moins depuis que tu es voyé policier à la boucherie en dans village de Dieu n'a pas eu conférence de presse pour nous capable parler de tout ça qui a passé en dans la police là pour nous capable dénoncer encore une fois tout genre de malversation ça tout genre de agression ça a fait sur contre nous tout genre de persécution syndical qui a fait contre nous, nous là, nous avons campé pour une bataille, nous ne pas découragés. Ça veut dire que tout ça va passer là, ou toujours prêt pour défendre SPNH. Oui, parce que imaginez-vous que je passe 25 ans dans une institution. Je dis là, en juin, là, je suis 26 ans dans la police. Est-ce qu'on pense que sont barrières que je vais laguer comme ça? Je slague les publics. Non. Mais je suis campé là pour une bataille et que la victoire, c'est pour mon cap pour mêler. Nous là dans la bataille et que nous ne pas décourager. Nous avons dit tous les policiers commence, continuer à être mobilisés. Opération bras croisés commence, qui continue, qui là, qui est là toujours. Toujours être bras croisés. Nous avons dit un peu de monde a plein que la police ne fait pas faire rien. La police. Non. Faut opération bras croisés à continuer, être. Allons pas nous, mais monsieur, dames, restez bras croisés. Parce que jusqu'à présent, il a kidnappé nous toujours. Jusqu'à présent, il a tué nous toujours. Et il faut que nous baillons, il faut que nous réagissions. Et réaction nous baillons là, en termes d'opération bras croisés, à l'hypoproportionnel. Il va même arriver proportionnel à ça qui a privé nous là. Mais quand même, on a bataille. Ok. En tant que vous avez 26 ans dans la police là, et vous avez tout ça qui a passé au Rwanda là, ça va faire vous regret que vous avez choisi l'institution ça? Pas de regret. Sauf que moi, sûr que si je me donne l'autre branche, je vais avancer socialement, je vais plus avancer socialement et économiquement. Mais ça va dire que je regrette. Parce que son institution que je remets, et que je remets l'institution, je travaille là-dedans avec un pile fou, avec un pile tendresse. Et jusqu'à présent, si je suis capable d'être honnête toujours, je suis capable d'être honnête envers tête et envers l'institution et envers tous les amis, mais parce que je crois que mon côté qui me l'arrivé. Et je dis là, même dans tout policier qu'on est que nous n'avons pas de gros l'argent, nous n'avons pas de corps pour moi, mais sauf que je connais que je mange chaque jour, je mange chaque jour, je profite de une machine que je voulais. Mais je connais le problème là, les policiers ont mouru et que moi-même je suis victime de la police. Là. Après 26 ans, malgré 26 ans, là, je suis victime. Et si je ne suis pas victime, je ne vais pas me taper dans la tête SPNH, je ne veux dire. Et pourquoi les policiers comprennent bien, je salue tous les policiers qui ont gardé la vie. Parce que si je suis en tant qu'inspecteur divisionnaire, je suis en tant que parce que moi-même, je suis baissé dans le niveau. Je suis rejoint dans le niveau agent qui est là. Et en tant qu'inspecteur, je suis capable de dire que pas d'inspecteur, pas d'agent. Nous, tous ces policiers, nous tous travaillons ensemble pour nous. Pour ton bien-être par les policiers. C'est ça qui est objectif nous. Alors, seul crime que nous faisons en tant que policiers, c'est que nous avons bataille pour bien-être. Nous connaissons que le combat pour bien-être n'est pas facile. Mais nous avons bataille pour bien-être parce que nous sommes policiers, nous voulons être policiers. Et il faut que nous avons une police professionnelle. Et il faut que les policiers, la police, répondent à la mission qui est protégée et servir. Je crois qu'on joue la vie quand même pour les gens, pour les paroles là qu'on a dit là, pour les gens, à personne qu'on a dit là, on joue la vie. Jou, je joue, m'a profité de dénoncer l'arrestation pour les gens. Jean a arrêté là. Il est en train de 15 jours dans la prison depuis le 27 mars, il a arrêté. Il a 15 jours dans la prison là sans le pas jamais un juge. Nous croyons que c'est une injustice en plus, côté que nous-mêmes, au niveau SPNH, nous avons gommé et nous croyons que tôt ou tard, la police là a censé libérer de tout le monde qui est dans le commandement
qui militarisé comme police là, qui politisé comme police là, on croit que n'a pas pu joindre parce que la défaite du droit est toujours provisoire. Est-ce que vous avez une nouvelle Abelson Gonègue dans la prison? Oh, Abelson Gonègue dans la prison, il est très bien, il dit que il ne va recevoir aucun mauvais traitement et que il est dans la prison. Il est très bien, d'avoir une nouvelle que vous venez bien et n'a profité de saluer le responsable de la prison pénitentiaire qui va Gonègue le traitement, VIP, le traitement spécial. Et je crois que il y a toujours des gens qui ont fait tout ça, il y a des gens.